c'est mon qui a la caille. Bon, ça n'a pas la dent, parce que quand même, le président, il y a une famille, il y a un petit. Et mon qui petit, il y a un bac, ouais, obligé de mettre en danger. Je pense que pas bien retenu dans la bataille qui t'a mené, c'était toute vie, toute condition, malheureusement. Et là, ça passait, le grand perdant, c'est le peuple haïtien, parce que quand pile bagaille, nous, ouais, qui passait dans la période des pays locs, que ce soit deux semaines qui étaient passées du 7 février, arrivé au 17 janvier, environ deux semaines, dans le commencement de l'année, ça, que ce soit ça qui passe. PM, pardon, pendant trois mois qui sont passés. Ou pas quoi que le projet dictature dans le coutivre, je sais que tout le monde craint ça? Pas bien. Dictature, si on a un projet dictature sur le chimique, pas de capacité pour faire dictature. Dictature n'a pas fait comme ça. Dictature a une philosophie et il faut avoir des moyens. Ou pas qu'à faire dictature sans force. Ou pas qu'à faire dictature tout. Sans ou pas des alliés, des mondes qui supportent sur le plan international. Je dis à M. Jovenel Moïse, pas rien en main pour le faire de dictature. Il n'y a pas aucune force. Parce que le plus gros référent dictatorial nous gagne, c'est ça François Duvalier qui fait. Le premier, ça le fait, Libye est une force qui est relée, volontaire de la sécurité nationale, tonton Macoute, qui essaye de domestiquer l'armée. Et là, ça, c'est une dynamique de la guerre froide. De temps en temps, les menaces américaines, sous pas tous les rimes, nous capoter mal dans l'autre bois, eh bien, ils étaient joués sous contradiction que tu gagnes sous plan international là, pour te qu'un dictature. Mais une dictature, tout, c'était conséquence d'une grande période d'instabilité politique en 1956, après la chute de M. Magloire. Eh bien, en un an, nous avons gagné 5 à 6 gouvernements qui passaient. Non, période tête chargée, guerre civile, etc., qui fait les dictatures. Là où fait, les modes de conjoncture politique, ça y est, ils ont débouché sur des bagailles qui sont plus graves. C'est même si nous, monsieur Paul. Soit intervention militaire, ça s'est fait en 1914 sous Guillaume Sam, soit sous intervention militaire après coup d'État qui fait en 1991, là, qui fait depuis l'exagération politique ou risquer tomber non bagaille qu'on va pas espérer, mais je dis, c'est plus anarchie qui menace nous que la dictature. Même si nous avons pouvoir centralisé, président prend budget à la disposition de les gens voulaient et que les pratiquement seuls au pouvoir n'ont pas besoin de paix. C'est pas une dictature qui a dessiné là. Il n'est pas fait une dictature, parce que la dictature est capable de dire bon pouvoir, est capable de dire cap fonctionner à sens unique ou bien le pouvoir législatif qui je dis à dysfonctionnel, temporairement qui pas fonctionner, ou gagne un pouvoir judiciaire là qui toujours s'allie, qui dans quelque soit période là, le bajam l'autre bagaille, et contrebalancement au niveau du législatif qui qu'on fait, mais c'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas pour. Moi-même, ma c'est bon, nous allons la démocratie tout, non? Pardon? Nous allons la démocratie tout, non? Démocratie non, a dit, je veux fonctionner. Ouais, pourquoi j'aime dire ça? Pourquoi j'aime dire démocratie? Mais en même temps, on ne peut pas l'exagérer pour me tomber dans utiliser mot et puis moi pas correspondre avec la réalité. Attendez, parce que nous, si nous parlons de démocratie, nous parlons de dictature, nous ne pouvons pas dire non là, qui est bidonjou. Non, bien, moi je dis que c'est là que je dis, Haïti pas mérité ni intervention militaire, ni embargo, ils sont fatigués avec nous. Nous, parce que nous bagaille sans nom, qui semblait à une situation anarchique, nous avons gros ambiance, nous sommes capables de déstabilité politique. Moi, je préfère nous à un texte nouveliste qui était sorti le 22 mars 2016. C'était un texte en conférence que le professeur Claude Moïse a fait dans l'université Kiskeya, dans la même date-là, et qui était fait constitution et gouvernance. Et bien, alors, un bilan désastreux de 1987 à 2016. Eh bien, dans ce texte, si on prend pour l'instant, on peut garder, vous recommande, même suggérer que nouvelle liste est publiée là encore, parce que ça qui passe, l'on prend texte, bon, seul ça le manque, qui fait les grandes différences avec le conjoint Tupounia, c'est parce qu'il était parlé de 6 législatures qui ne peuvent mettre en rien, et mais qu'on y revient un 7e nom capable d'ajouter sous lui. Après ça, c'est même, pareillement, c'est toujours en question de bataille pour pouvoir. Et je suis capable de prendre 2 exemples de ça que tu dis dans l'article. Ça, nous faisons faire accord, par exemple, pendant la période de coup d'État, nous faisons 5 accords, accord de Washington qui fait 23-25 février 1992,
accord tripartite du 8 mai 1992, il était l'accord Port-au-Prince ou bien accord Villa d'accueil, où tu as gagné accord Gouverneur Island qui fait 3 juillet 1993 entre le président Préval, général Cédras et aux États-Unis, même si on va déjà me rencontrer, il était fait une sorte de négociation avec, il était pour une loi en 29 mai 1992, nous font pacte de New York 16 juillet 1993, malgré tout ça, toute gymnastique politique, diplomatique, ça est finalement, c'est 20 000 soldats américains qui débarquaient en 1994 pour venir résoudre le problème. Alors, nous avons une situation à répétition, parce que si le pape dictature hier, ou pas qu'à Jodia, relé le dictature. Je pense que ça est plus grave que dictature, parce que dictature, pour nos régimes, ils vont les finir. Mais ça lui-même, ou non, non situation, dont bagaille qui a répétition, qui est récurrent. Ou vivre des gouvernements sans parlement, de février à octobre 1995, sous présidence d'Aristide, et de janvier 1999 à août 2000, sous présidence René Préval, ou t'es une période de gouvernement sans premier ministre, sorti octobre 1997 à janvier 1999, ou gagné un président de la République qui était à la fois président et chef de gouvernement, et qui vient de créer une situation côté pis devant, ou un premier ministre qui, parce que l'était ratifié, parce que laisse la faute ratifier d'abord. Il est un premier ministre et légitime et il voit même maintenant un chef de gouvernement de facto parce que le général n'est pas ratifié. Alors, on est capable de prendre plusieurs exemples nous vivre tout à fait. De 1927 à Jodia qui montrent que le problème là, au-delà de la personne bien, du régime actuel, parce que ce n'est pas pour lier froid. Il y a une vide institutionnelle là, et c'est dans une situation de crise de société qui baille instabilité politique à tout à fait. Monsieur Paul, en nous, globalement. Il fait 8 ans, on va le prendre pour nous aider pour nous, pour payer nos respects. Mais là, nous tournons, nous allons demander qui côté nous aller, qui s'approche à aller dans cette année là. Quand vous tournez, vous allez vous arrêter longtemps. Magique 9, oui. Toute nouvelle, sans stress. Non, des gens jeunes, des bien Raymond Maurice qui va exister comme ça, lieu mémoire, les apprécier, jouer un mot qui a traduit ça que tu dis en français pour mettre parole au plus près du peuple. Je pense que si nous d'accord pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous travailler, pour nous faire ça tout ça, de salinité rêvée pour le pays, et bien c'est ça que tout fait. Si nous parlons d'élection, c'est dans le PC, c'est l'élection piqué-collé, c'est l'élection champouel, c'est l'élection chauve-souris, ça ne peut pas rapporter en rien. Champouel, soulier. Élection. Non, il sait que nous sommes tous là, parce que nous sommes tous là. Oui, nous sommes tous là. Oui, non, on dit qu'il y a une élection grain-soulier. Non, c'est qu'on projet élection. On projet élection grain-soulier. Nous sommes stoppés avec l'élection grain-soulier. Nous sommes dans la position pour nous stopper. Alors, on pense que. Appel là, son appel à la responsabilité, son appel à la raison pour nous faire une remontada. Une remontada, ça veut dire que nous sommes capables de prendre coup. Nous toujours dit équipe qui prend un goal là, c'est lui qui pourrait mettre lui. Et nous commençons par le football. Son geste, ça, PSG était fait, Barcelone, la Kaeli, 4 à 0. Et puis, monsieur Barcelone, je dis, il y a pour remonter courant. Et puis, quelques mois après, la caillou n'a qu'en nous, il y a 6 à 1. Et bien, c'est vrai, nous, à genoux, mais nous, caillou monte courant, si nous prenons conscience que nous avons une responsabilité historique et nous avons une responsabilité. Assemblée constituante. Assemblée constituante. Assemblée constituante, je pense que le président n'a pas fait le pour compte. Parce qu'on n'est pas capable, je dis, de retirer le conflit dans la rue pour laguer la constitution. Je pense que nous avons besoin de constitution. Mais il faut un consensus pour nous faire constitution, pour ne pas avoir une source de problème. Président, il y a cette légitimité pour faire élection avec constitution, amendé et ensemble de constitution. Si nous faisons constitution, si nous faisons élection, même constitution, ça c'est dans le même lobby là, pour nous faire élection sénateur chaque 2 ans, par exemple, là, coûte un paquet de cob. Gimbalga est nous obligé de modifier. Nous faisons constitution contre Duvalier, Duvalier par là encore.
Et c'était ça, erreur. Erreur a été faite. Maintenant, avec déficit de convocation et impopularité, président, qui a surfé un bon vague là, mais président était très impopulaire. Son passé, récrimination, gain, moun qui dit son, moun un tant inculpé, non cité dans Petro Caribe. Est-ce qu'il y a une moralité pour engager pays à non nouvelle assemblée constituante? Nous avons des réflexions, ça y est, rapidement, ça y est, vous avant de parler de gouvernement, ça y est, la pauvreté. Il y a une valeur, monsieur le président, jusqu'à présent. Même Jean m'a dit, nos amis parlementaires, malgré les faits, etc., même si on parle dans le parlement, en tant que citoyen haïtien, en tant que homme et femme politique, il y a toujours bon gens et un rôle qui a joué pour aider les problèmes dans le réseau. Sauf fond aussi dans la logique de confrontation stérile. Là. Président, seul met à bord, grand goût, gars, école, inflation, nous pis pauvres et bah il n'y a pas semblé à pas améliorer. Et c'est ça la bombe qu'il faut regarder ou pas. PL. Moi pense que le président a deux responsabilités. Il fait pour marcher sur deux pieds. Il y a une responsabilité comme président, quel que soit Jean ou elle, c'est lui-même qui est maillé de pays à l'emmène. Faut l'adresser les problèmes de sécurité publique là. Faut l'adresser les problèmes grand goût. Faut l'adresser les problèmes chômage là. Faut l'adresser les problèmes de fonctionnement institution. Yo. Mais d'un autre côté, l'autre monde qui est en opposition, on bagaille pour faire tout. Pour avoir le droit de citer. Parce que le président va agir, c'est pour un petit bout de temps là. Parce qu'au cas où ils vont le. Personne n'a pas crédibilité pour représenter aucune alternative parce que tout le monde mal joué. Ok. Là, exemple, bon dada. Ok. Maintenant, gouvernement, les papiers selon sa constitution dit comment vous président a monté gouvernement de facto là par rapport à difficulté yo, et joindre Jean Lapchache et Lalas d'après ça le dit et on solidarité, on union nationale pour adresser des défis que veut y faire face. Il est clair que nous avons une situation d'exception. Le président a deux choix. Ou bien joindre un accord, ou bien joindre des personnalités notables qui mettent le monde en confiance. C'est deux choix que ça a gagné. Parce que la question de gouverner par décret, ce n'est pas le péché, non? C'est qui décor pour le prendre, qui action pour le mener, qui dans le sens intérêt pays, qui va venir créer l'autre irritant. Alors, moi, et nos contextes, ça a devenu premier ministre. Et nos contextes, ça a devenu premier ministre en 2015. Oui, c'est dans un contexte comme ça, même de vider de l'eau sous du fer. J'ai déjà besoin de vider de l'eau sous du fer, mais au-delà de vider de l'eau sous du fer, il ne faut plus manger d'eau. C'est un gouvernement de facto parce qu'il n'est pas encadré par la Constitution? Gouvernement d'exception. C'est ça lié. C'est pour ça lié que j'ai jamais viré son gouvernement d'exception lié. Et le plus bon monde qui était présidentiel pour compte. Merci un pile PM. Passons bonne journée. Et À bientôt. Bonne journée. Et avant de nous proposer une information ça qui est quand même triste, mais quand vous êtes venu sur les Daniel ou bien Sénat, c'est dans la chapelle. Oh oui. Ben et ça, dans ça qui est les Rosna petit frère qui touille trois Timon. Il a avoué des tranglés. Timon 2 ans, 4 ans, 6 ans. Il touille au motif dans la localité de la chapelle. Motif libre, c'est un citoyen, l'autre citoyen qui demande de faire ça pour lui déballer 500 gouttes. Pour le défaire ça pour lui, et qui a pas le point cœur, qui a pas le point tête, puis elle fait sacrifice pour Maraï Boulbolette. Donc, la première question, la justice là, mais on a parlé là, et dans le salle, sous contrôle de la justice, Rosna et petit frère, c'est comme ça, le redit, et tout et toi, c'est mon nom. Bonne fête, Fafa. Bonne fête, qui est-ce que je dis? Je dis c'est fête. Bonne fête à tout le monde, Captain Denon. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque Nationale de Crédit met à votre disposition Pour Crédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Les gens qui ont la caille, bon, ça va pas la dedans parce que quand même, le président, il a une famille, il a une petite. Et les gens qui ont petit, il a un bac obligé de mettre en danger. Je pense que pas de bien retenu dans la bataille qui t'a mené. C'était. Et toute vie, toute